C'est un peu un combat contre moi-même là. Ah, oui, là je peux pas faire grand chose. Bah attends, si je vais avoir, je vais arriver à la hauteur de tes pieds, je vais faire 1m50 dans ouais, 2 mètres quoi. Mais... je vais aller voir quand même. Bon. Ranger les seaux parce que vous nous emmerdez pour sortir. Voilà. Allez, c'est parti. Peut-être la première. De la boue. Ah. Les pieds de Sébastien. Putain. C'est super grand. Excuse-moi, je sais pas où t'es. Je suis derrière toi. C'est cette putain de concrétion là à droite qui m'emmerde en fait. Quelle ? Là, celle-là. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait que tout se rétrécit. Tu veux la péter ? Non, non, y a pas besoin. Ça doit passer sans. Désolé pour le temps perdu. Non, 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 mais t'inquiète, hein, moi, je... Bah, c'est pas du temps perdu, en fait, on a quand même vachement bien bossé. Si tu recules, tu me le dis. Ouais, ouais, je vais reculer. Bon, bah, moi aussi, je vais reculer, du coup, je te dis quand je suis sortie. Ça continue. Oh, c'est génial. Malheureusement, je sais pas si ça continue sur long. Ouais. Et il faut continuer la désobe sur 7 mètres, 8 mètres. Oh, punaise. Mais on va faire le truc avec les navettes, hein. Parce que là, moi, je... Je continue pas une mission comme ça. Non, mais c'est bien, ça va nous occuper, du coup. Contrairement à ce que je disais, je peux pas faire demi-tour. D'accord. Mais si t'es passé, tu vas repasser dans l'autre sens. Normalement, ça se passe comme ça, hein. Il y a une autre... Une autre galerie qui part là sur ma gauche. Ah ouais ? Très petite. D'accord. Donc il y a une galerie qui part sur la droite. De quoi ? Il y a une grande galerie qui part sur la droite, c'est ça ? En face, c'est une autre qui part, petite galerie qui part sur la gauche. En face ? Putain, c'est ouf ça, j'avais pas vu. Hein. Oui, en fait, t'as l'impression que ça tourne, mais ça tourne pas comme ça, ça. Ah d'accord. Mon problème va être de ressortir.
Ah, je vois tes pieds, c'est bon, t'es dehors là. C'est extrême. Là, j'ai la batterie sous le dos, mais... Ok, voilà. Donc, ça continue. Ça continue. Ça a l'air très grand. Voilà. Ça va être très compliqué. Bon, on dirait qu'il y a une bosse, mais qu'après, ça s'agrandit un peu quand même. Ça c'est mon casque, parce que j'ai sorti le casque. J'espère juste que moi et le casque, éventuellement moi toute seule, on va réussir à sortir. Alors Sébastien, ouais. Il m'a dit que sur la gauche, il y avait une petite galerie, effectivement. Il y a une petite galerie. Voilà. Bon, la petite galerie sur la gauche, elle doit arriver à peu près à... Bah moi, à mon avis, c'est plus intéressant de continuer la galerie qui est devant. Ah oui, mais la petite galerie à gauche, comme j'ai dit, c'est une petite galerie. C'est bon. Pour un chat, hein. Maintenant, le plan, c'est que je dois sortir d'ici. En gros, c'est compliqué. La spéléo est un sport de propre. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de l'état dans lequel on est. Voilà, c'est vraiment une perte. Ouais. Il y a beaucoup de boue qui. Il y a beaucoup de d'eau qui part. C'est hyper étroit à la fin de ce premier petit passage dans lequel on est obligé de ramper pour y accéder. La fin est très étroite vu que Aude a quand même été obligé d'enlever son casque. Moi je me suis fait chier parce que j'ai une batterie qui est déportée sur un fil et j'ai pas le choix, je suis obligé de la garder comme ça. Je remercie vivement Petzl d'avoir eu cette idée plutôt que de nous mettre la possibilité juste de faire un déport et de le mettre ou de ne pas le mettre. Ouais, mon casque c'est un casque d'escalade aussi, donc il est plus gros. Ouais. Et puis il y a toute la batterie là derrière. Par contre, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'on est les premiers déjà à y être rentrés. Aller dans la première partie de la galerie et dans la salle. Définitivement, on est les premiers. Voilà. Et après, on a pour l'instant de visu, on a au moins 7 mètres, 8 mètres devant nous. T'es fou, il y en a plus. Il y en a plus. Ah putain, c'est hyper long. Je sais pas, je me suis pas bien rendu compte, mais j'étais tellement crevé que j'en ai tellement bavé pour passer cette étroiture. Après, ce qu'il y a, ça fait une bosse, mais quand tu vois, après, ça se... Ouais, après, ça redescend. Bon, après, il faudra tout creuser, mais ça, c'est sur le long terme. Donc, on va avoir du boulot pour creuser. Là, déjà, vu comment on s'embête pour arriver à sortir la boue dans des seaux... Je vous présente les jolis seaux de glace au Nutella, ce que vous voulez qu'on peut avoir mis dedans. Enfin, c'est de... Je voulais pas utiliser ces termes-là. voilà, on a des beaux seaux de boue. On en a sorti une vingtaine, une trentaine, ouais, à peu je pense, près, dans ouais. ces eaux-là. Bon, on y bosse depuis hier ici, mais là aujourd'hui on a vraiment beaucoup avancé parce que hier on a filé au même stade qu'on avait commencé, c'est-à-dire on s'arrêtait en gros à la concrétion. Voilà. Bon, aujourd'hui, on allait dans la salle, c'était vraiment notre objectif pour aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en une heure et demie ou en deux heures, on en a fait autant qu'hier en quatre heures, tellement hier, on était vannés l'un comme l'autre. On était crevés, c'est limite notre passage. Je dis pas qu'il a été inutile parce qu'aujourd'hui, on a pu aller plus loin, mais... Ben, aujourd'hui, on était chaud quand même parce qu'on s'était donné cet objectif avant de partir dans les Pyrénées, quoi. Donc, vraiment... Donc, il y a une galerie qui part sur la gauche, c'est même pas qu'elle part sur la gauche, t'as l'impression qu'elle revient carrément pas loin de l'entrée, quoi. Mmh. Elle est toute petite, donc elle... Mais je demande parce qu'à un moment, tu vois, quand t'es sur l'entrée, là, à gauche, ça part un peu, et peut-être que c'est... ça a l'air très bouché. Dans un premier temps, c'est pas ça qu'il faudrait faire, c'est surtout celle qui est... Au fond, c'est un truc juste énorme. Et je pense que là, on est sur une grosse découverte... Vraiment...
Parce que là, le passage dans lequel on rentre nous permet de passer notre corps en largeur et un peu plus, mais bien dégagé au fond quand on a passé le premier boyau d'entrée, on doit pouvoir être à 3 de face. Mais puis bon, là, il y a du volume. Bon, il y a du volume, tu vois que ça a été creusé par l'eau, quoi. Il y a tout le... C'est, ça fait comme un trou en haut, tu vois. Et ça descend. Ouais, puis il y avait du débit, quoi, et ça descend. Et vraiment, il y a tout, quoi. Je pense qu'on a trouvé quelque chose d'assez énorme qui... ça va... J'espère, en tout cas. Non, c'est clair, ça va faire parler de lui, je pense. On a du boulot. Dans l'aspect Léo ici, ouais, il y a un boulot énorme. Donc ce qu'on va faire pour la prochaine fois qu'on vient ici, on espère qu'on va réussir à bouger tout le club, en fait. On va faire des navettes, donc c'est juste un bidon avec un trou. Ça fait comme un petit wagonnet qu'on tire avec une corde, parce que là, ça va être trop long, quoi, on s'en sortira pas. Et c'est quand même un peu en ligne droite, donc ça passera. Ouais. Et globalement, c'est de la ligne droite. Mais ouais, vraiment, on est sur une découverte énorme, je pense. On espère. Ouais, bah non, mais t'avais... Attends, quand tu vois ce qui est à côté, c'est obligé, c'est le même réseau, quoi. Et là, tu leur as bien agrandi leur réseau, quand même. Ça va, ouais. Ouais. Non, il y a une autre grotte juste à côté, donc c'est pour ça, on espère que ça communique et, que ça va aller très loin. Sur ce, on va remballer parce qu'on est crevé. On va rentrer chez nous, ouais. Et que... On va laver le matos demain, ouais. Parce que là, on a la flemme. Et qu'il y a une petite heure de route à peu près pour rentrer, donc on n'est pas en nu. On va commencer par enlever la combi, j'ai pas de chaussures propres. Si, t'as tes chaussures de course à pied. Bon. Bon, allez, salut à tous.